Bonjour à tous ceux que vous regardez en Cinémascope. Sergi Lopez, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien pour un Cinémascope. Mais ça va très bien, et vous, vous allez bien? Oui, je vais très bien, Je ne vais pas me plaindre, je suis à Namur, on est très bien traité, très bien accueilli. Mais voilà, parlez-nous un peu du festival, de votre présence ici. Vous défendez un film, le film Orpheline de Arnaud Despalières, et puis, surtout, ici, c'est ce dont on va parler du moins, le film En amont du fleuve de Marion Hensel. Ouais. Comment présenteriez-vous ce film? Le film d'En amont du fleuve de Marion Hensel, bah, c'est déjà un film de Marion, donc un film d'une cinéaste belge qui est une pionnière, on va dire, une des premières femmes à réaliser du cinéma en Belgique. Donc voilà, c'est un film, encore une fois, heureusement, contre-courant. Un film qui ne rentre pas dans le, dans la tentation simple, facile, de nos temps, de faire du montage, de faire de la vitesse, de bouger la caméra dans tous les sens, mais qui essaye de regarder les petites choses et puis de s'écouter. Il y a beaucoup de silence entre nous, beaucoup de, il y a peu de dialogue, il y a peu de choses qui ne sont pas dites, il y a plein de choses qui ne sont pas dites, il y a plein de questions qui restent dans l'air, mais petit à petit quand même on sent qu'il y a quelque chose qui se construit entre nous. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Olivier Gourmet sur Tournage-ci? Comment est-ce que vous évoqueriez votre rapport, votre relation avec lui comme acteur et puis comme partenaire sur un plateau? Avec Gourmet, il se passe un truc assez familial. Hein. Tu vois, il se passe un truc déjà au départ. Moi, je l'admirais beaucoup comme acteur. Et puis, je l'avais entendu aussi parler dans des interviews. Donc, quand je l'entendais parler, je me reconnaissais beaucoup dans sa façon de... Il a un rapport avec son métier... Pour moi, très simple, très, très vrai, quelque part, très, très direct, c'est un métier. Puis, tu vois, ce rapport avec le, tout ce qui est autour, les paillettes, voilà, les lumières, le, tout ça, on se sent assez proche. Donc, du coup, le tournage, bon, il fallait le faire après, parce que peut-être qu'après, on ne s'entend pas bien. Donc, ce n'est pas le cas. Avec lui, je crois qu'on a une façon même d'approcher le métier, de jouer. Voilà, on essaye d'être présent et de tenter des choses et de s'écouter. En fait, moi, je me suis beaucoup inspiré de son corps, de comment il marchait, de comment il bougeait, tout ça. Et puis lui, en même temps de moi, je crois qu'il y a eu un truc entre deux frères. C'est un truc pas évident à jouer. Alors, de trouver une espèce de terrain commun qui nous réunisse sans être trop évident. Donc, non, ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu. Là, on est en train de... Enfin, il me fait découvrir des bières trappistes Rochefort numéro 8, qui sont trop bonnes, ils sont à tomber par terre. Donc, c'est bien, c'est une belle relation. Alors, Sergi Lopez, acteur international, on le sait, qui parle catalan, qui parle castillan, qui parle français, anglais, et ici, et alors peut-être encore d'autres langues, mais croate ici. Croate, quelques mots. Nidichloven. Hein? Quelques mots en anglais. Non. Je dis parce que j'ai parlé en néerlandais là avec un pote. Oui, ça c'est un truc, c'est vraiment le cinéma qui m'a... Enfin, le cinéma, le fait de partir en France, de faire des études de théâtre, j'ai appris le français. Déjà au départ, je suis catalan, donc en Catalogne on parle catalan, mais on parle aussi espagnol ou castillan. Donc on est déjà bilingue au départ, après le français, après l'anglais, l'italien, je ne sais pas. Oui, les langues, c'est un drôle de truc. Moi, ça m'a révélé beaucoup de choses. Le fait de jouer dans d'autres langues, en fait, m'a donné plus de liberté. En fait. J'ai l'impression que je me suis senti plus libre quand je joue dans une langue que je ne maîtrise pas beaucoup que quand tu joues dans ta langue où tu maîtrises tout. Donc du coup... Tu as peur de ne pas être assez précis et là tu te concentres là où il ne faut pas. En fait, quand tu joues dans une langue que tu ne connais pas, tu es obligé de jouer. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de croire à quelque chose. Dans ce film-ci, vous avez des paysages magnifiques qui défilent à l'écran. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce tournage au niveau des fameux paysages qui, vous avez vu le film déjà? Si, voilà, j'ai vu. Et vu hier. Votre réaction par rapport au film quand vous l'avez découvert? C'est un peu énorme quand tu vois un film où tu es si présent et où tu es avec Olivier, mais quand tu te vois toi-même, et souvent en gros plan aussi,
C'est difficile, t'es pas le meilleur juge, tu vois, parce que quand je vois le film, je peux pas m'empêcher, je vois les scènes, je me rappelle des phrases, des bouts de dialogue, de l'endroit où on a tourné, la caméra elle était ici, Donc en fait j'ai beaucoup de mal à regarder ça comme un film, comme une histoire. Je vois plus comme, espèce, comme un making-of du tournage. Mm-hmm. Tu vois, donc j'ai du mal, mais c'est pas avec ces films, tout le temps. Moi, de te voir toi-même avec un autre nom, avec un autre prénom, c'est toujours comme ça. Mais après, tu sens aussi quand même qu'il y a un truc, je veux bien croire, un truc sensible, fin, qui se passe entre nous, entre Olivier et moi, après avec John, qui est quelque chose de sensible, de fin, mais qui est appuyé par cette nature brutale un peu, parce que c'est d'une beauté énorme, mais aussi il y a de la pierre, donc c'est très, c'est dur quand même aussi. Ces scènes de rire, de fou rire qu'il y a entre vous à certains moments du film, est-ce qu'on simule ça, ou est-ce que c'est des vrais rires? Est-ce que c'est facile de jouer une scène de rire entre deux personnes au cinéma? Non. En fait, moi qui ris tout le temps, et qui pleure tout le temps aussi. Je suis assez pleurnicheur. Mais en fait, moi, je trouve que, tu vois, moi qui ris beaucoup dans ma vie, je trouve que rire, c'est un truc très, 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 très difficile de faire devant une caméra. Très difficile. Parce que ça peut être que vrai. Si c'est pas vrai, tout de suite, ça part au vide. Ça part dans le vide. Donc, c'est difficile. Hein. Moi, il y a des gens qui, après, il y a des gens pour qui c'est plus difficile, moins difficile. Pour moi, c'est très difficile. Après, pour moi, la difficulté, c'est grandir. Hein. Je veux dire, c'est pas ça qui est important, si c'est difficile ou pas. Mais c'est vrai que rigoler, c'est un truc techniquement, c'est tout très compliqué. Mais là, voilà, il s'agit justement de trouver un esprit, un état de disponibilité, de jeu, et de se laisser surprendre. Tu vois, quand on te raconte une blague que tu connais pas, que tu connais par cœur, une blague que tu connais, jouer, c'est ça. Jouer, c'est quand on te raconte une blague que tu connais déjà et tu dois réagir comme si tu l'entendais pour la première fois. C'est ça, jouer. Jouer, c'est ça. Donc, c'est facile et difficile à la fois. C'est compliqué. Ça dépend. Ça dépend de chacun. Ça dépend de la blague aussi. Les choses simples, à travers l'histoire de deux frères, au début du film, on vient de se connaître. Et en fait, le film, c'est un peu ça. Cette fleuve qu'on remonte, c'est aussi pour remonter notre parcours, et c'est un film, c'est connaître, apprendre à se connaître. Et puis voilà, c'est un film où on est obligé, et Marion nous propose de prendre le temps, de laisser l'eau couler, de laisser passer la rivière.